Salut, moi, c'est Marine. J'ai 14 ans. Et j'ai une vie plutôt banale, donc on va dire que cette vidéo se termine ici. Non, je plaisante, calmez-vous. Wow, vous calmez, ok? Bon, moi, j'habite en Aquitaine. Plus précisément, en Gironde. Et plus précisément encore, à Saint-Aubin-de-Blaye. Bon, je sais pas où ça se trouve exactement. On va dire là. Mon père est greffier, et ma mère est aide médico-psychologique. Pour faire court, on dit AMP. J'ai aussi une sœur, un peu énervante sur les bords, cela dit, je l'aime bien quand même. Bon, c'est vrai, j'ai pas trop le choix. Quoi, t'as pas trop le choix? Non mais je t'en... Et oh 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 oh, tu te calmes doucement. C'est bon là, tu me parles pas comme ça, je suis pas un poney. Mais je te parle comme j'en ai envie. Puis tu fais quoi dans ma vidéo là? Tu t'es bien incrusté dans la mienne. Oh vas-y, tu m'as saoulé, dégage. Bon, mon père est né en Angleterre, d'un père anglais et d'une mère française. Donc, naturellement, je devrais être bilingue. Mais la nature a fait que je ne le suis pas. Yes, I'm okay. Because it's your mother. Ouais, c'est vrai, je suis pas super douée en anglais. Quand j'étais petite, et c'est toujours le cas d'ailleurs, j'ai pratiqué de nombreux sports. En premier, j'ai commencé par de la natation. Bon, en fait, c'était juste pour avoir mes brevets, c'est tout. Pendant 5 ans, j'ai fait de la danse. Oui, c'est vrai. Et alors? Et en même temps que la danse, j'ai fait de l'équitation. Il y a eu un long moment où j'ai rien fait clairement. Après cette longue pause, j'ai pratiqué l'escrime. C'était vraiment génial, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. En ce moment, je fais de l'aviron et du badminton. Ce sont les deux sports que je préfère. Sinon, ma passion, ce sont les jeux vidéo. J'adore ça. C'est comme une drogue pour moi, je ne peux pas m'en passer. Mais vu qu'on n'a qu'une manette, ça se transforme vite en baston. Ma deuxième passion, ce sont mes amis, car tout simplement, je les aime. Ils sont comme une deuxième famille pour moi. Ils sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Les délires, les prises de tête, les doutes, les pleurs, les joies, les angoisses, les amours, je ne les oublierai jamais. PS, je vous aime.